Le micro, oui, le micro est ouvert. Bien. Eh bien, écoutez, il me semble que c'est, sauf erreur de ma part, la dernière rencontre de cette édition d'Atlantide, à laquelle je crois on a tous été extrêmement heureux de participer pour des raisons multiples et variées. Et on finit avec un sujet qui n'est pas un sujet facile, mais qui est un sujet extrêmement important, des extrêmes et des extrémismes, donc en compagnie de Emily Boom et de Ousmane Diarra. Je vais quand même prendre le temps de faire de toutes petites présentations pour vous dire, pour vous rappeler que Emily Boom, vous êtes née et vous avez grandi à Douala, au Cameroun. Vous vivez aujourd'hui en région parisienne. Vous avez reçu le Grand Prix de l'Afrique noire en 2015 pour Les Maquisards, un roman paru aux éditions La Cheminante. Et votre quatrième roman, celui dont nous allons parler ce soir, qui s'intitule Les jours viennent et passent, est paru chez Gallimard en 2019. Et il a reçu le prix Amadou Kourouma. Ousmane Diarra, poète, conteur, romancier, bibliothécaire à l'Institut français du Mali. Votre premier roman paru en 2006 chez Gallimard, Vieux Lézard, a remporté plusieurs prix. Le prix Amadou Kourouma également, mais également le prix RFO, le prix Prince Pierre de Monaco. Et puis ont suivi d'autres textes, je ne vais pas tout citer bien évidemment, mais notamment Pagne de femme en 2008, et puis celui qui va nous intéresser aujourd'hui, La route des clameurs chez Gallimard en 2014. Avec vos deux romans, nous sommes, je dirais, au plus près de ce que peuvent être des dérèglements tragiques que vit l'Afrique, qui est le théâtre de violences liées aux extrémismes. Avec notamment cette question dont nous allons parler longuement, de l'embrigadement de jeunes gens par Boko Haram. Et la première remarque peut-être que j'ai envie de faire, c'est qu'il est assez remarquable, et à la lecture de vos deux romans, on ne peut pas se dire autre chose que c'est le roman qui aborde cette question-là, c'est le roman qui permet de rendre sensible cette question-là, qui permet de se sentir proche de ces réalités qui en même temps sont lointaines, mais vraiment qui permet, j'allais dire, de les toucher du doigt. C'est une des grandes forces du roman que de savoir faire ce genre de choses, de nous permettre d'appréhender l'histoire en train de se faire, Emily et Ousmane, bien sûr, à vous deux. Emily, peut-être pour commencer. D'abord, bonsoir et merci d'être si nombreux. Oui, c'est le dernier jour, c'est la dernière rencontre. Et vous avez sans arrêt été là. Merci. On aurait voulu terminer sur une note plus joyeuse, mais en même temps, on n'est pas non plus là pour tricher. Oui. Il y a des choses importantes dont il faut aussi parler. Est-ce que le roman est la meilleure façon d'aborder le pire ? Je ne sais pas, à vrai dire. La particularité du roman, c'est qu'il permet d'embrasser la situation avec à la fois une sorte de recul, mais en entrant à l'intérieur des choses. Le temps du romancier n'est pas le temps du journalisme, on n'est pas forcément factuel, mais il y a une façon d'interpréter le réel et de créer des personnages, de créer des univers dans lesquels tout le monde peut se retrouver, en fait. Ça rend les choses beaucoup plus claires. Sur la question des extrémistes et des violences en Afrique, il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup de documentaires. Souvent, il y a des biais aussi, il y a toutes sortes de regards. Moi, en tant que romancière, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je fais de ce matériau? Comment j'en fais des êtres? Comment j'en fais des hommes et des femmes en souffrance qui peuvent rencontrer notre propre souffrance et notre propre questionnement? En d'autres termes, comment je réponds à mes propres dilemmes? Ousmane, pour poursuivre ce que vient de dire Emily, est-ce que ça n'est pas parce que justement le personnage de roman permet de restituer la complexité d'un sujet comme celui-ci qu'il nous fait sentir et appréhender réellement ce que peuvent être ces questions si sensibles et si complexes? Merci, je me joins à Emily pour remercier le public. La question est tellement pertinente que pour la route des clameurs, le narrateur, qui est un jeune garçon,
J'avais commencé le texte par la voix de l'adulte, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. L'adulte allait avoir des scrupules pour décrire certaines choses, mais le regard de l'enfant, neuf, naïf, mais poétique, me permettait de dire les choses de, peut-être moins crûment, je ne sais pas, en tout cas de façon poétique. Oui, ce qui vous permet d'ailleurs de jouer sur différents registres à l'intérieur du roman qui vont de l'innocence à la lucidité la plus totale. Tout à fait, à travers son... C'est l'élève de son papa. Mmh. Donc, entre griffes, la lumière de son papa est en lui. Mmh. Quand il entre dans l'innocence, il est furieux, il est révolté parce que ce qu'il voit, il pense que ce n'est pas humain. Mmh. Le papa sait que cela s'est passé. Donc, quand il se souvient de son papa, il revient à la réalité. Mmh. Pourtant, papa a dit ça. Mmh. Ça, c'est passé au 19e siècle, etc. Ce n'est pas notre première expérience de ces violences-là. Alors, puisqu'on a commencé avec La Route des Clameurs, on va continuer à présenter le roman. On va présenter vos deux romans, bien sûr. Et puis, on ouvrira peut-être à nouveau la conversation ensuite. Donc, La Route des Clameurs, c'est le regard d'un petit garçon. Il a 11 ans. Et c'est lui qui, avec cette innocence et cette lucidité... va dépeindre toute l'horreur de l'embrigadement dans Boko Haram. Il va être enrôlé de force. Et le personnage adulte qui est en face de lui, qui est donc son père, est un résistant, un homme qui, lui, ne va pas plier, qui jusqu'au bout va croire à la supériorité de l'intelligence, de l'amour, de la fidélité aux valeurs. Et il est très seul, cet homme. Il est très, très seul. Oui, il est seul, mais en même temps, il est avec son fils qui n'a pas voulu l'abandonner. Mais en même temps, il est avec sa famille, parce que toute sa famille, sa femme, ses enfants, il l'aime. C'est par amour, on peut dire, du papa que la maman, pour protéger l'ensemble de la famille, a rejoint les djihadistes. Donc, oui, il est solitaire, il est seul, il est fort de caractère, mais il doit partager ses mérites. Mm. C'est toute sa famille qui lui est restée solidaire, qu'il a pu continuer derrière un moment très difficile. Tout se retrouve à son chevet et chacun de ses enfants lui parle. Il faut dire que le personnage du père est un créateur, c'est important, c'est un artiste de renom d'ailleurs, qui a une réputation internationale, qui vend ses œuvres partout à travers le monde. Donc c'est quelqu'un qui a un regard sur le monde, qui a une culture, qui s'intéresse à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et cette ouverture de regard, bien évidemment, en fait une cible pour ces gens qui sont ceux de la secte de Boko Haram. Il incarne aussi quelque chose de fort, qui est le courage, tout simplement. Oui, c'est pas si la métaphore... Il y a deux lumières qui se sont croisées en lui. Parce qu'il est passé par les sociétés initiatiques, il a été formé par son village, par son père, qui pratiquait le même métier avant d'aller à l'école moderne. Donc l'école, les lumières de ces sociétés traditionnelles se sont croisées en lui avec les lumières de l'école moderne. C'est ce qui explique qu'il est resté lui-même. Beaucoup de ses camarades d'âge ont cédé, mais il est resté parce que s'il était resté avec les seules sociétés initiatiques, on aurait battu ses convictions en brèche. Mais il avait vu d'autres choses, disons, d'autres lumières, et il pense que le monde, c'est pas celui que ces gens-là amènent. Il y a eu un passé, il le sait. Les autres ne le savent pas. Dans une société orale, on oublie très facilement, ou on déforme les choses, on les adapte. Au vœu du nouveau prince, à la volonté du nouveau prince. Lui, il sait tout cela, donc il ne peut pas être comme les autres. Sauf
à tomber dans la lâcheté. On voit dans ce roman donc l'installation et la prise de pouvoir d'un faux calife, c'est l'enfant hein, bien sûr qui le décrit de cette façon-là, qui montre les duperies et les tromperies successives, le faux calife étant lui-même instrumentalisé par un autre faux calife encore plus puissant que lui, et vous montrez cette instrumentalisation des uns par les autres, les plus incultes et les plus violents étant ceux qui triomphent, qui se repaissent dans le luxe, en imposant aux innocents une austérité de vie totale, tandis que eux vivent, oui, dans l'abondance. Oui, mais c'est là, tristement, la réalité des choses. Hein. Les chefs, Boko Haram et les djihadistes dans le Sahel, c'est la même chose. Hein. Ouais. Ils se sont fait appeler Boko Haram, mais c'est les mêmes djihadistes. Oui. Donc, les chefs, que ce soit les chefs militaires, que ce soit leurs représentants dans la société, disons leurs représentants civils, ils sont tous extrêmement riches. Ils sont subventionnés. Il n'y a pas que la drogue. On parle du trafic de drogue, ils se nourrissent de ça, mais il n'y a pas que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. J'en connais qui pourtant n'est pas violent, etc., mais il reçoit 100 millions de subventions par an. C'est mon voisin, parce qu'il a des médersa, etc. Or, ces gens-là sont, et jusqu'à à des crèches, et ces gens-là sont formés et formatés dans ces réseaux. Donc, ils sont, c'est les autres qui souffrent. Ils utilisent les autres, mais eux-mêmes, ils sont à l'abri. Ils peuvent d'ailleurs, si ça se gâte, ils peuvent se barrer à tout moment. Hein. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Emelé, on va introduire votre roman. On reviendra bien sûr, Ousmane. Avec vous, à travers trois adolescents qui vivent à Douala, on aborde les ressorts vraiment intimes de l'embrigadement des jeunes par Boko Haram. Et on voit notamment une jeune fille qui s'appelle Tina, qui suit sa sœur de cœur, son amie en fait, Jenny. Et là, il y a quelque chose de fort parce que ce phénomène d'imitation est un des ressorts sur lesquels Boko Haram et toutes les formations djihadistes s'appuient beaucoup. C'est-à-dire attirer à eux des jeunes gens qui imitent d'autres, qui sont eux-mêmes embrigadés avec des méthodes extrêmement efficaces, hein, il faut dire. Mais donc le phénomène d'imitation est important chez ces jeunes gens. Oui, au-delà même de l'imitation, c'est que c'est plus facile d'adhérer quand quelqu'un qu'on aime adhérer. D'une certaine façon, la question du discernement ne se pose pas de la même manière. Alors quand ces jeunes ils ne sont pas en déshérence, c'est des jeunes issus de la classe moyenne camerounaise, mais qui subissent aussi de plein fouet une sorte d'effondrement de la société qui fait qu'ils n'ont plus de repères, ils n'ont plus de valeurs. Alors il y a une forme de prédation qui s'installe. Là, je parle de Boko Haram, mais il y a d'autres choses aussi auxquelles ils sont victimes. Et finalement, ils n'ont pas le ressort adulte, la stature qui leur permet de résister, d'opposer un caractère, d'opposer une autre vérité. Et ils y vont. C'est au-delà de l'imitation. Moi, je pense que c'est, d'une certaine façon, c'est une forme de résistance. Et c'est assez terrible ce que je vais dire, compte tenu de ce qu'on sait. Boko Haram, c'est un mot qui veut dire Boko, ça veut dire livre en pidgin English. Haram, ça veut dire interdit. Livre interdit. Et c'est assez étonnant que les fondamentalistes islamique, alors que l'islam est une religion du livre, comme l'est le christianisme et le judaïsme, que cette religion-là, en tout cas dans le fondamentalisme et les sectes qui sévissent de notre côté de l'Afrique, qui sont Daesh ailleurs, qui sont le terrorisme au Sahel de l'autre, c'est la même logique fondamentaliste et destructrice. Et ils n'emploient pas que la force, ils emploient aussi la conviction. Ils arrivent à convaincre des jeunes gens dépassés, en mal de repère, que c'est une vérité. Et ces jeunes gens-là, ils vont
pour résister, en fait. C'est une lutte qu'ils mettent en... c'est une mauvaise lutte, et c'est terrible. Ils rencontrent des loyautés que nous ne pouvons pas comprendre, mais aussi, peut-être qu'il faut regarder en face le fait que nos sociétés n'offrent peut-être pas ce qu'il faut. Et quand je dis nos sociétés, je ne parle pas forcément du Cameroun. Le Cameroun, c'est ce que je connais. Mais on est quand même obligé de regarder la situation avec un peu plus de voilà, un regard un peu plus global. Il se trouve, Emily, que dans votre roman, c'est la troisième voix du roman, et c'est une jeune fille qui prend la parole à la fin de ce roman, qui est une rescapée de Boko Haram, qui survit à son embrigadement. Et vous le dites très bien, ça transparaît parfaitement bien dans le roman. Le djihad a besoin de jeunes filles. Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont emmenées dans le nord du pays, soit comme proie sexuelle, parce qu'on a besoin de soldats pour ces armées-là, soit aussi parce que ce sont des soldates. Hein, on les envoie sur le front. Bien sûr, on se souvient d'Alicienne de Chibok. Mm. Ça fait, on en a beaucoup, beaucoup parlé pendant un moment. Il y a 200 filles, 200 jeunes filles qui ont été enlevées dans un lycée de jeunes filles dans le nord du Nigeria, dans une ville appelée Chibok, et qui ont été enlevées par Boko Haram. Mais quand elles ont été libérées, elles ne sont pas toutes revenues. Il y en a qui ont souhaité ne pas revenir. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut entendre, parce que ce que je décris avec Tina et Jenny, dans cette, embrigardée par cette secte, c'est du roman, évidemment, c'est de la fiction. Je m'en suis emparée pour créer des personnages, mais on a des tas de documentaires qui en parlent. Certaines femmes sont revenues, certaines jeunes femmes sont revenues et ont témoigné. Il n'empêche qu'aujourd'hui encore, cette voix semble être une réponse à quelque chose, mais à quoi ? Alors qu'on sait aujourd'hui ce qui se joue, alors qu'on sait la violence qui est faite aux femmes, alors qu'on sait qu'elles sont utilisées comme soldates, elles sont aussi utilisées comme bombes humaines, parce que Boko Haram n'en a rien à faire des femmes, mais ils savent très bien que le reste du monde se scandalise d'autant plus que ce sont des femmes ou des enfants qui sont envoyés pour faire sauter un marché. Le roman part de l'attentat de Fotokol. L'attentat de Fotokol qui est à l'extrême nord du Cameroun, il y a eu 150 morts. Et cet attentat a eu lieu 15 jours, jour pour jour après Charlie Hebdo. Et ces 150 morts ont été causés par une dizaine de jeunes femmes lancées dans un grand marché comme bombe humaine. Et ça, oui, ça attire l'attention, ça crée une forme de violence. Et voilà. Vous disiez tout à l'heure, au fond, pour ces jeunes gens, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Non seulement cela, mais il y a aussi, de la part de leur entourage, souvent une forme de naïveté, ou en tout cas une absence de regard sur les changements. Parce qu'une jeune fille ou un jeune homme qui est en train d'être embrigadé manifeste un certain nombre d'évolutions, ne serait-ce que dans son apparence vestimentaire et physique. Et ça, c'est sensible dans le roman. Autour d'eux, les adultes ne voient pas, ou du moins ne font pas le lien. Et de même qu'ils ne voient pas arriver ces islamistes qui commencent à prêcher dans les mosquées de manière un peu étrange, ils ne s'en inquiètent pas, au fond. Non, ils ne s'en inquiètent pas. Et le Cameroun, il y a le nord et l'extrême nord, c'est une zone musulmane à la frontière avec le Nigeria, le Tchad, le Niger. Et Nigeria, Tchad, Niger, il y en a toujours un que j'oublie. Je ne sais pas, ça va me revenir. Et en fait, c'est 20% de la population camerounaise qui vit là-bas, 80% dans le reste du pays, c'est des chrétiens de toute obédience, d'obédience divers. Et moi, je dis toujours que dans le Cameroun, on est 20% musulmans, 80% chrétiens, et on est 100% animistes. Tout le monde revient, d'une façon ou d'une autre, à un moment de sa vie, revient vers les religions traditionnelles. C'est pas des religions, c'est des spiritualités et des croyances traditionnelles. Elles nous portent. Donc pendant très longtemps, on a pensé qu'on n'était pas, on pouvait pas être sujet à ce genre de dérive, en fait. Que l'islam camerounais, ou même africain, moi je l'ai pensé pendant très longtemps aussi, que l'islam africain, parce que nous avions ce passé-là, parce que nous avions cette force qui nous venait de nos traditions, ne pouvait pas avoir cette espèce de violence qu'on peut observer dans d'autres pays du monde. Et en fait, si. Et ça nous est tombé dessus aussi, de la même manière que ça s'est vu ailleurs. Alors la question, ouais, et parce que
quelle est la cause, en fait. Aujourd'hui, nous subissons tout ça et nous sommes un peu étonnés. La société, que la société n'ait pas vu les dérives, parce que ça s'explique aussi parce que le Cameroun est un pays étrange à la fois de silence et de cacophonie, et que c'est comme ça que nous sommes construits, et c'est de là que viennent la plupart de nos malheurs. Mais quand même. Cette question que pose Emelie Ousmane Diarra, bien sûr, on se la pose aussi chez vous, au Mali, qui est aujourd'hui, malheureusement, un des pays d'Afrique subsaharienne les plus touchés par cette catastrophe. La question, comment en est-on arrivé là, elle est sur les lèvres de tout le monde. La réponse est bien sûr terriblement compliquée, mais on a quand même des éléments de réponse. Oui, ben, pendant longtemps, effectivement, au Mali, on a pensé que on était. Les autres l'ont pensé, mais moi, je ne l'ai pas pensé parce que je connais l'histoire. Je sais que Boko Haram, là où écume aujourd'hui Boko Haram, c'est au même endroit que Ousmane Danfodio. Oui, absolument. A créé, et de la même façon. Exact. Bah oui, en fait, par la même violence. Les invasions musulmanes au Cameroun, c'est exactement à cet endroit-là, oui. Et le djihadiste qui, à peu près à la même date, a dévasté le pays Bambara, et il a épousé. La fille de à son retour de la Mecque, il a épousé la fille de Ousmane Danfodio, donc là où il y a Boko Haram, et il a commencé à recruter Nord Cameroun, Nigeria, Sénégal pour s'abattre sur ce pays-là. Et la violence qui en a résulté, je sais, ça se chante chez les Bambara, ils disent. Les jours où les djihadistes nous est tombé dessus, personne n'a disputé à personne une pelle, une roue, pour enterrer une sœur, etc., etc. Et on savait, et on devait, ça n'a pas, tout cela n'a pas été écrit dans les manuels. C'est ça le problème. On le sait, c'est resté tabou. C'est ce que je dis. Si on les avait écrits, peut-être nous aurions échappé à ces choses, mais nous sommes restés naïfs. Il faut le dire, à l'indépendance, on ne voulait pas ouvrir ces boîtes vraiment qui sentaient mauvais. Et voilà, mais on a joué en réalité en faveur de ces gens-là. Ça ne m'a pas surpris parce que j'ai vu, moi je suis né dans un village animiste, presque une contrée animiste. Je suis venu à la ville. J'ai vu les choses évoluer, le temps. J'ai vu qu'à l'âge de 13 ans, j'ai vécu ça. J'ai vu même la façon de prêcher changer, les fêtes musulmanes changer. Ils n'étaient pas fêtés traditionnellement comme ça, à part la tabaski. Le ramadan à Bamako était fêté, mais c'est inconnu chez nous. D'ailleurs, il y a une seule fête musulmane chez nous, qui n'est même pas musulman, qui est païenne, c'est la fin du ramadan, on ne jeûne pas, mais la fin du ramadan est fêtée. Or, il se trouve que ça existait en Arabie avant, c'est pré-islamique. Donc, toutes ces choses-là, ça a commencé à changer, et la fragilité, ce qui a fragilisé les États, je ne dis pas que... je ne sais pas, je suppose, la démocratie, c'est une excellente chose. Mais la démocratie est vraiment très délicate. Quand il y avait la dictature, ils ne pouvaient pas montrer la tête. Mais ils ont profité de la démocratie et ils ont importé tout ce qu'il ne fallait pas importer. Islamophobie à Bamako, dans un pays à 95% musulman, plus une centaine d'associations islamiques. Mais ça, ce n'est pas pour l'islam, ça. C'est pour autre chose. Donc, c'est la conquête du pouvoir. Ils veulent prendre le pouvoir. Ils se servent d'une religion pour prendre le pouvoir par la violence. Oui, bien sûr, c'est au nom d'une religion. C'est au nom d'une religion. Mais que la religion n'a bien sûr rien à faire là-dedans. Vous parliez de manuel tout à l'heure, et moi c'est une chose qui m'a frappée et qui ressort
dans vos romans respectifs, c'est qu'au fond, l'éducation n'est absolument pas un rempart contre cela. On a tendance à penser que les islamistes vont puiser dans le vivier des laissés pour compte. Et en fait, ça n'est pas cela. Les jeunes gens éduqués sont aussi victimes de ces recruteurs. Rissa, pas les jeunes gens de notre génération. Nous, ceux qui sont après l'indépendance, ceux qui sont allés à l'école, ou même les années 58, ceux qui sont jusqu'à nous, les dernières générations, on s'est fiché de ces choses-là. Oui, mais je parle des jeunes gens d'aujourd'hui. Les jeunes gens d'aujourd'hui, je pense que l'éducation, à partir de 1980, ces choses-là, souvent, on les oublie. À partir de 1980, les mesures économiques qui ont été imposées aux pays africains, le cas du Mali, je le sais, des enseignants en nombre ont été renvoyés ou à la retraite anticipée, etc. etc. Et donc le système, l'éducation formelle étatique, l'école républicaine, etc., a commencé à perdre du poids. Les gens, le chômage, ceux qui sortent, ils n'ont pas de travail, ont commencé à désespérer. Et au même moment, les écoles religieuses ont pris le pas. Donc il y a une explication. On a vu venir, c'est nos faiblesses. Mais parmi nous, il y avait non seulement on se fichait d'appartenance religieuse, mais aussi d'appartenance ethnique. Ça ne disait absolument rien du tout. Mais on a vu tout régresser. Même la polygamie, j'en discutais, la condition de la femme en général a régressé. Les gens de notre, peu d'entre nous, des gens de notre relation, ceux qui sont allés à l'école, peut-être, sont polygames. Très peu. Je n'en connais même pas. Mais aujourd'hui, des gens que je peux avoir comme fils ont deux, trois enfants, trois épouses. Donc, il y a une régression. Cette régression, c'est dû à la régression de l'éducation. Sur l'éducation, c'est important aussi. Je suis assez d'accord avec Ousmane. Effectivement, au sortir des indépendances, il y a eu une certaine forme d'éducation qui a été donnée, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, qui a beaucoup consisté à abandonner de façon assez violente. J'ai parlé des religions du Cameroun. Il y a la violence avec laquelle l'islam est entré dans la partie nord du Cameroun, et l'islam s'est arrêté parce que les chrétiens étaient installés depuis longtemps, et de leur façon aussi, ils maintenaient une forme de violence, ils maintenaient une forme de disqualification. Et je voudrais parler de la disqualification. En fait, effectivement, la génération postcoloniale a été excellemment formée et elle a été ouverte à d'autres choses. Ce n'est pas que l'éducation n'était pas bonne, c'est qu'elle n'a pas tenu ses promesses. Les personnes qui ont été éduquées en Afrique, au Cameroun, c'est eux qui ont pris le pouvoir. Et en fait, une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont installé une forme de corruption. Ces gens-là, on les a crus. On a cru au premier gynécologue. Je me suis toujours demandé comment le premier gynécologue qui s'est installé dans une ville comme Douala a fait. Le corps des femmes, le soin donné au corps des femmes est très codifié dans nos traditions. Il y a un homme un jour qui est venu qui a dit « Moi, je suis le docteur des femmes ». Et en fait, on l'a accepté. Les gens l'ont accepté. Ils ont accepté aussi que leurs enfants aillent à l'école. Ils ont accepté d'abandonner leur langue. Et je dis toujours que ma mère à moi ne m'a pas parlé sa langue. Mes parents, chez moi, on parle français. Parce que j'ai grandi en ville, en fait. Je grandis à Douala. Et c'était très cosmopolite. Les gens venaient de partout. On était chrétiens, musulmans, animistes tous, et puis 270 ethnies au Cameroun, on était tous réunis là. Il y avait une forme d'ouverture. Ok, mais d'un autre côté, ça demandait aussi aux gens, d'une certaine façon, de s'éloigner des autres formes de contrôle social, de s'éloigner des autres formes de comment est-ce qu'on éduque un enfant, comment est-ce qu'on transmet des choses, et à côté de ça, toute une déliquescence de l'État. Alors, quand nos enfants, quand cette génération, aujourd'hui on leur parle d'éducation, ils sont tout à fait en droit de nous regarder et de dire « mais en fait, vous êtes au pouvoir, vous avez été éduqués ». Je considère aussi que ce qui arrive aujourd'hui en Afrique est une forme de déception et d'échec de la génération postcoloniale. Et je le dis en toute humilité, parce que je pense que ma génération est encore plus décevante, mais... eux, en fait, ils ne savaient pas. Il n'y avait pas d'exemplarité. Comment on apprenait à être maître d'école, en fait?
comment on apprenait à être à conduire, le premier gars qui a conduit sa voiture. Il y a tellement de choses, ils étaient tellement les premiers à tout, et ils avaient cette force, ils se sont battus pour les indépendances, et il y a génération après génération, mais en fait on a lâché prise. On a lâché prise et on s'est tourné vers d'autres choses. On s'est tourné vers une façon de voir le monde qui nous a fait perdre de vue nos enfants, d'une certaine façon. Oui, je suis du même avis que toi, mais il ne faudrait pas oublier les mesures du Fonds monétaire international. Hein, parce que jusqu'au lycée... moi, je suis allé, je le dis à des responsables. Aujourd'hui, mes propres enfants ne peuvent pas rêver d'accéder à mon niveau culturel. Mm-hmm. Alors que moi, j'ai été recruté orphelin des deux parents de mon village de force par l'administration. Ça, c'était pas sous la colonisation. Hein. C'est ça, en 70. D'ailleurs, Moussa avait déjà fait son coup d'État. Et les enseignants se sont occupés de moi, et c'est tout cela qui m'a aidé à accéder à... Mais mes enfants ne peuvent pas, ils n'ont pas aucune chance d'accéder. Et ça, c'est d'ordre économique. Absolument. C'est économique, et ça, c'est un aspect Absolument. Très important qui ressort d'ailleurs dans vos livres. Et il faut parler de cet argent sur lequel l'intégrisme religieux s'appuie et prend aussi pouvoir, parce que ces mosquées gigantesques qu'on voit surgir dans votre roman et qui sont érigées, bien sûr, sur les ruines de tout ce qui faisait la culture avant, c'est-à-dire on détruit bien sûr tous les bars, on détruit les conservatoires, on détruit les mausolées, on détruit tout ce qui faisait les lieux de vie, et on érige des mosquées absolument gigantesques, financées par de l'argent qui met ces intégristes-là dans des positions de pouvoir considérables. Et c'est même pas pâté de maison, tu pouvais rencontrer 5 mosquées. Alors que la loi, c'est que 2 muezzins ne doivent pas s'entendre. Il faut une distance aussi longue pour que deux muezzins peuvent s'entendre, entendre l'appel, c'est pas normal. Mais dans le même quartier, même pas quartier, partie des maisons, 5 mosquées. Même à 2 pas de moi, un monsieur est venu. Souvent, et ça, c'est pas sûr, peut-être sûr, mais souvent, ils confisquent les terrains volés en y construisant des mosquées. Mais c'est titre foncier. Donc, le jour où le propriétaire va partir, ça restera à ses enfants. Il y a tout ça, toute une magouille en dessous qui n'a rien à voir avec la pratique religieuse, hein, avec la foi. C'est devenu du commerce. Tout le monde fait du commerce. C'est devenu ça. Et d'un côté, nous sommes entre deux feux. Il y a une certaine... Bon, peut-être je ne vais pas fâcher quelqu'un, mais pincé par la rationalité occidentale, tout ce que vous vous injectez, il faut contrôler. Mais de l'autre côté, tout ce qu'ils injectent, pas de contrôle, le nombre de musulmans, le nombre de gens courbés. Donc, ce n'est pas la même façon, la même approche de la chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr. Et pour la question de l'argent, pour l'ouvrir peut-être un peu, oui, il y a cet argent-là qui arrive, et on sait d'où en fait, pour venir nourrir les fondamentalistes religieux en Afrique. Mais la vraie question, c'est où est l'autre argent ? Où est l'argent du pétrole ? Où est l'argent de l'uranium ? Où est l'argent des matières premières ? Où est l'argent qui servait pour l'éducation ? Où est l'argent qui devait être là, en fait ? Du développement. Du développement. Ouais. Où sont les matières premières qui sortent, qui reviennent en dette et qui bloquent la société ? Que font ces chefs d'État qui restent au pouvoir pendant 40 ans, ces coups d'État qui succèdent à des coups d'État qui empêchent complètement de construire une société sereine? Où sont les écoles pour nos enfants? Où sont les hôpitaux? Et alors, l'argent vient parce que ce qui doit être là n'y est pas. En fait,
C'est très difficile parce qu'il nous faudrait beaucoup plus d'énergie que ce que nous mettons à expliquer les choses et à... Il faudrait reconstituer peut-être les causes et mettre les liens entre ce qui se passe, ce que nous vivons aujourd'hui, la violence de ce que nous vivons aujourd'hui, l'histoire qui est la nôtre et l'économie que nous vivons aujourd'hui. Je pense que... On le sait, l'Afrique est un vrai scandale parce que c'est l'un des continents les plus immenses du monde. L'Afrique est capable de contenir les États-Unis, le Brésil, la Belgique et la France. C'est connu maintenant, ça se sait. Et l'Afrique, c'est aussi un des continents les plus riches du monde. On n'est pas plus stupide que les autres. Ce n'est pas un atavisme. On n'est pas incapable de se gouverner. La question est, où va l'argent? Où va l'argent qui devrait nous aider à... Pourquoi nous sommes... toujours dans ce système. Et ce pourquoi, il y a un parce que ce n'est pas magique, ce n'est pas un événement surnaturel qui nous tomberait dessus. Il y a quelque chose, il y a des réponses. L'idée, c'est aller les chercher et construire quelque chose. Parce que ça ne peut pas continuer comme et ça. Et mettre en lumière bien les sûr, dérives. Bien sûr. Bien sûr. Il y a d'ailleurs, au sujet de la mise en lumière, quelque chose qui transparaît aussi de manière très forte dans vos romans et qu'il faut sans cesse souligner et redire, c'est que ces gens-là qui pratiquent des meurtres, des assassinats de façon absolument terrible au nom de la religion, sont des gens qui n'ont qu'un mot à la bouche, c'est le mot de mort, avec bien sûr des promesses de paradis pour ce qui suivra. La vie est totalement absente de leur discours, totalement. Il faut le dire sans arrêt. Il faut le rappeler. Et ça, vous le montrez bien, tous les deux. Vas-y. Oui. Non, vas-y. Et c'est ça qui est au-delà de tout, en fait. Hein. Je trouve que c'est ça qui est effrayant. Que l'idée de la mort soit plus séduisante que le désir de vivre, en fait. Que nos sociétés et l'avenir que nous offrons et l'avenir que nous avons soient si peu désirables que soit c'est un désir de mort, soit c'est un désir d'évasion. Alors, les gens voyagent, les Africains ont toujours voyagé, le monde entier voyage. Il se trouve juste que les Africains sont suspects quand ils sortent de chez eux et que le reste du monde arrive en Afrique comme il veut et en ressort comme il veut. Mais on a toujours voyagé. Mais il y a une différence entre l'exil et le voyage. Il y a une différence entre partir en se disant que je ne vais peut-être pas revenir et ce n'est pas grave. Que ce soit partir pour mourir, partir pour Boko Haram ou partir pour mourir dans la Méditerranée. Pour moi, en fait, c'est le même mouvement. Bon, c'est vrai que chez tout, dans le monde entier, la jeunesse, c'est l'aventure. La jeunesse, à un moment donné, a besoin d'aventure, elle a tellement d'énergie, etc., etc. Mais cette énergie était utilisée pour autre chose. Aujourd'hui, je le dis ici et ailleurs, en 2009, par exemple, je voyageais de Ouaga à Bobo, j'étais avec des jeunes. Djoula, quand la chanson malienne « Touloukala Nani » vient fouiller, très belle voix, ça, tout le monde s'est mis à danser. Le monde, c'est zéro. Les montagnes, les étages, tout va disparaître, le monde. Mais si on enseigne ça à la jeunesse, effectivement, je suis d'accord avec toi, qui ne voit pas autre chose à côté, c'est là aussi que les extrémistes, dans ça que les extrémistes puisent, mais pas seulement. Pas seulement. Ils ont failli me souffler mon jumeau, mon fils jumeau. C'est pas, ils ne sont pas dans des problèmes, ni de livres, ni d'éducation, Dieu merci, ni de problèmes matériels. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Quand on fait beaucoup de bruit dans cette salle, celui qui fait du bruit, beaucoup de tapage, il est entendu. Mais les intelligences disparaissent. Oui, aussi, parce qu'il y a quelque chose que vous montrez très bien dans votre roman, Ousmane, c'est qu'avec ces discours de mort, ils suscitent un sentiment de peur. Vous dites d'ailleurs qu'au Mali, depuis qu'ils sont arrivés, même le soleil ne se lève plus parce que lui-même semble avoir peur. C'est une image qui dit un peu la force de cette peur-là.
Oui, mais je vois ça, j'entends ça depuis avant même l'avènement actuel du djihad. Dans les prêches, on ne parle que de la mort. On ne parle pas de la vie ici. Alors que ceux qui font ces prêches cherchent de l'argent. Souvent, ils sont même financés, y compris par des femmes, des cotisations des femmes. Donc, on ne parle que de la mort. C'est une contradiction. On aime la vie, eux-mêmes, ils aiment la vie, mais ils prêchent que la mort aux autres, aux jeunes. On ne peut pas dire aux jeunes de défendre leur patrie, leur pays, de travailler pour construire leur pays, quand, à longueur de journée, on vous dit, vous allez crever demain. Tout le monde sait qu'on va, tout le monde sait que tout le monde va crever, nous allons tous mourir. Mais cela n'a pas... La contradiction, c'est qu'au même moment, ces mêmes jeunes... Non, ils s'enrôlent dans Boko Haram, les djihadistes, mais en plus, ils viennent se jeter à la mer pour atteindre ceux qui ont appris à construire la vie. C'est ça que je ne comprends pas. J'aimerais qu'on essaye d'aborder une question qui, je sais, n'est pas facile et évidente, mais qui quand même mérite d'être abordée un tout petit peu. C'est celle de ce qui distinguerait la pratique de Boko Haram, donc en Afrique subsaharienne, des autres formes d'intégrisme religieux auxquelles on est peut-être ici d'ailleurs un tout petit peu plus sensibilisé, on en entend davantage parler, ce qui a pu se pratiquer en Afghanistan, au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Est-ce qu'on peut établir le fait qu'il y a des différences dans la manière de pratiquer cet intégrisme religieux en Afrique subsaharienne, Emelé? Je ne suis pas... La question moyen-orientale est vraiment hyper complexe. Et je viens déjà d'une partie du monde qui a sa propre complexité, mais il n'empêche que Boko Haram a fait allégeance à Daesh. Ils l'ont dit. Ils l'ont dit, Boko Haram fait allégeance à Daesh. Et on sait que Daesh a financé Boko Haram. Et on sait qu'il y a des liens entre Boko Haram et Daesh. Et on sait que Daesh a armé Boko Haram. Alors, que ce soit d'un côté les sunnites, les chiites, et je ne sais pas quoi, et de l'autre un pays comme le Nigeria, parce que Boko Haram est né au Nigeria, et Boko Haram est né de désaccords économiques et politiques entre un pouvoir qui est censé, de façon officieuse, tourner entre les chrétiens et les musulmans, et qui a été pendant 2-3 mandats bloqué par les chrétiens, et ce qui a conduit à un extrémisme dans la partie musulmane dans le nord du Nigeria. C'est aussi bête que ça. Ça a commencé par des prêches, ça a commencé par « ils nous enlèvent le pouvoir », ça a commencé par « ils ne nous ont jamais respectés », pour continuer par d'ailleurs « n'aller plus à leurs écoles », et puis « nos filles à nous, elles doivent se couvrir », et puis ça a dégénéré dans toute la région, parce que dans cette région-là, nous sommes tous frères. Nous avons exactement les mêmes traditions culturelles, on mange la même chose, on se ressemble physiquement, on est tous reliés au Niger, au lac Tchad. Voilà, il y a quelque chose qui nous lie depuis très longtemps. Et quand ça a dégénéré dans un pays, eh bien ça s'est étendu comme une traînée, une sorte de pestilence comme ça. Mais est-ce qu'il y a un lien? Certainement, le lien, il a été dit. D'ailleurs, quand les 200... jeunes femmes de Chibok ont été enlevées. Le cheikh, celui qui était le patron de Boko Haram, on a dit qu'il était décédé dernièrement, mais c'est au moins la 10e fois qu'on l'annonce mort. On va attendre un peu. Il a dit qu'en fait, Boko Haram était beaucoup plus fort d'une certaine façon que Daesh et qu'il ne comprenait pas pourquoi Daesh faisait la une des journaux dans le monde entier, alors que Boko Haram, on n'en parlait pas suffisamment. Il était plutôt content de Chibok, parce que tout d'un coup, même Michelle Obama s'est levé pour dire « Bring back our girls, libérez nos filles ». Voilà. Ce qu'on lui a aussi en partie reproché, d'ailleurs. Ouais. Ousmane. Oui, c'est difficile. C'est complexe, ouais. Mais... je pense que je réfléchis sur la question. Hein. Je pense qu'il y a une lutte interne même à l'islam, qui se passe entre chiites et sunnites. Hein. Mais je pense que certains veulent changer, aménager ou déménager le centre géographique de l'islam en Asie.
Pakistan ou autre. Pourquoi je dis ça? C'est pas ce que j'ai lu, mais j'ai un cousin parti au Gabon depuis des décennies qui a rejoint les Pakistanais, la Dawa, et qui vraiment est devenu truc. Un jour, je l'ai téléphoné quand j'étais à Brazza. Je lui ai dit, notre grand frère est décédé. Ouais, il était parti faire le prêt. Oui, il ne devait pas y aller. Je lui ai dit, à la Mecque? Je dis non, je dis pourquoi? Parce que l'islam n'est plus à la Mecque. Hein. Donc quand je vois cela, lui il est embrigadé par les Pakistanais, lui et des milliers de gens. Même les Dawa, même dans le nord du Mali, Iyad Agali a été embrigadé par ces Dawa-là qui sont des Pakistanais, qui sont de l'Asie. Et quand j'ai entendu le discours tenu par mon cousin, je me suis dit que et l'Asie, les Pakistanais et autres, ils veulent changer les centres de culte de l'Arabie Saoudite. Donc il y a cette lutte interne-là aussi. Dans nos terres, malheureusement, nos pays deviennent le champ. Dans vos romans, à tous les deux, il y a aussi il y a beaucoup de choses qu'on n'aura pas le temps d'aborder, mais il y a encore une chose qui me semble vraiment importante, c'est que vous montrez à quel point cette réalité que nous essayons de cerner remet en cause des valeurs fondamentales que nous avons en partage, et que cette histoire dont nous sommes en train de parler de Boko Haram, elle nous concerne tous. Et nous sommes reliés autour de... C'est l'Afrique en ce moment qui vit ça de plein fouet. Les victimes sont en Afrique, au Mali, au Cameroun, mais en réalité, elles nous concernent tous. Personne ici n'est exempt de cette histoire et étranger à cette histoire-là, en fait. Et ça, c'est extrêmement sensible. Il faut qu'on le dise aussi. Le fait est qu'il y a une forme de violence qui s'abat sur nous tous et partout en fait, dans toutes les parties du monde, il y a une forme de crispation et d'exacerbation de lutte qui nous désarçonne tous. Mais encore une fois, moi, j'ai envie de dire pourquoi ? On ne saura pas et on n'arrivera pas à des solutions pérennes, pour autant qu'on veuille vraiment que ce ne soit pas une bonne chose à je ne sais pas quel degré que le Moyen-Orient soit déstabilisé, que ce soit une bonne chose à je ne sais pas quel degré que la région du Niger et du lac Tchad soit déstabilisée, j'en sais rien. Et si je ne sais pas, c'est parce que d'une certaine façon, nous analysons les conséquences. Mon avis à moi, c'est que nous analysons les conséquences. Quand il y a l'attentat de Charlie Hebdo ou quand il y a l'attentat du Bataclan, nous analysons les conséquences. Il y a des causes et on peut se poser et dire ça nous arrive à tous partout dans le monde, mais quel est le noyau de tout ça? Pourquoi il y a eu ce qui s'est passé en Syrie et ce cirque entre guillemets géopolitique c'est pas que c'est complexe, c'est qu'on a juste pas suffisamment d'éléments pour comprendre exactement ce qui se passe et où est-ce que ça ressurgit. Quand ça brûle là, ça brûle où ailleurs? Mais on constate quand même sur nos terres qu'il y a, ça rejaillit chez nous. Et je le dis, et je ne fais pas d'angélisme, on a les pays africains de cette zone-là ou du reste de l'Afrique, on aurait pu disparaître 1000 fois au cours de notre histoire contemporaine. On est toujours là, on résiste. On continue de résister. Et ça, ce qui nous arrive dans ce temps contemporain, il me semble qu'on peut se donner les moyens de comprendre et de dénouer. Il me semble
qu'on n'a pas, on n'est pas tout à fait, à l'époque des indépendances, le Cameroun se battait contre les indépendances et se faisait massacrer, mais l'information n'arrivait peut-être pas au Mali, ou l'information n'arrivait peut-être pas, quand je dis au Mali, je ne dis pas le gouvernement malien, je dis le malien de base, le burkinabé de base, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'il y avait cette lutte-là, est-ce qu'on pouvait mettre en commun nos luttes, est-ce qu'on pouvait se battre pour quelque chose qui nous concerne tous, est-ce qu'on... Aujourd'hui, peut-être que ce qui nous relie, quand je dis l'Afrique, mais y compris l'Occident, comment on fait en fait? Comment est-ce qu'on on réfléchit tout ça? Voilà. Pas simplement réagir à des moments névralgiques et ne pas se poser la question de d'où viennent ces névralgies-là. Ousmane. Ben, je suis du même avis. Hein. Au lycée, je crois... Jean Monnet, les joueurs de Tours en 2015, samedi, j'étais là-bas, je parlais du même livre, et la question est sortie, j'ai dit, ben, il peut taper même demain à Paris. Et c'est sur le lendemain a eu lieu le Bataclan. Et je le disais avec des amis aussi, je suis parti des expressions qui viennent d'ici. Cette fois, ça ne vient pas de chez nous, hein, mais ça part de là. Ça prend feu chez nous. Imaginez l'islamophobie. Quand j'ai entendu les gens hurler ça à Bamako, c'est de l'islamophobie, c'est importé d'ici. Dans un pays, 95% de musulmans, supposés être des musulmans, en tout cas où il y a plus de mosquées que d'école, comment peut-on parler d'islamophobie? Donc, des concepts ici aussi, et né ici à cause de la cohabitation de plusieurs communautés, et les intégristes de chez nous, même si je dis c'est avoir peur du mot quand je généralise, les intégristes musulmans de chez nous, même le port du truc, la voile, on dit la voile, le voile, ça part c'est parti d'ici. C'est nos compatriotes venus ici qui ont amené le voile dans nos pays. Sinon, c'était très, très limité. C'était le foulard attaché comme ça. Maintenant, c'est devenu une sorte de mode, de signe d'aisance, d'aisance matérielle, sociale, économique. Donc, on est interdépendant sur ce plan, mais je crois qu'il faut beaucoup balayer ici d'abord, essayer de mettre de l'accord entre les différentes... Je ne sais pas mettre, faire l'accord, mais une société, disons, belle, hein, démocratie belle. Moi, je peux sortir, je vais me balader, chanter, etc. C'est un privilège, il faut préserver. Et de chaque communauté ait sa part, s'y reconnaisse dans cette société-là. Comme ça, nous allons être un peu à l'abri. Parce que ceux qui viennent d'ici sont plus forts que nous. Forts en, comment dirais-je, matériel. Moins économiques, etc., ils sont plus puissants. Donc, nous, les batraciens, quand ils nous trouvent là-bas, les plus fragiles ne savent pas quoi faire. Une dernière chose, peut-être pour revenir à la question de départ, qui était celle de la littérature, pour arriver à cette élucidation dont vous parliez tout à l'heure, Emelie, les poètes syriens, par exemple, depuis des années, écrivent sur ces réalités-là. Il y a eu des textes remarquables qui sont parus depuis les attentats du Bataclan, depuis les attentats de Charlie, et vos deux livres, à tous les deux, arrivent aussi pour contribuer à mettre la lumière et tenter d'élucider. Là, la littérature a vraiment ce rôle de nous rendre ces réalités si complexes, de nous, finalement, de nous aider à cheminer dans une réflexion pour essayer au moins d'être des acteurs par rapport à tout ça et de pas être passifs. Oui, bien sûr. Et oui, la littérature et l'art en général, parce qu'il y a, là une forme de liberté non négociable dans l'art et la littérature. Après, on se rend aussi compte que dans ces contextes-là, la littérature et l'art n'ont pas de place. Si on dit Boko Haram, c'est bien que pour fermer l'accès à quelqu'un. Alors, qu'importe tous les livres que je vais écrire, si je n'arrive pas à toucher cette cible-là. Et alors, comment on fait pour la toucher, finalement?
moi, je me suis emparée de cette histoire. Et je l'ai raconté, je l'ai mise dans un roman. D'autres enfants, d'autres choses, d'autres enfants de l'art. J'ai visité l'exposition qui est là, qui est absolument magnifique et qui est aussi dans cette espèce de déconstruction de ce qui se passe en Afrique de façon un peu globale et complètement artistique. Mais voilà, qui va avoir accès ? Est-ce qu'elle va circuler dans les quartiers, dans les villages ? Comment ? Et ce comment a été répondu après les indépendances. Ce que tu disais aujourd'hui est très juste, de dire qu'en fait, on est allé chercher les gens dans les villages, etc., pour leur donner accès à une forme de culture monde. On a ramené le monde dans ces endroits-là. Et aujourd'hui, en fait, on se demande, nous, moi, en tant qu'écrivaine, comment je ramène le moi, j'ai grandi là-dedans. Comment je rends ce qui m'a été donné ? Aujourd'hui, les chemins de la transmission sont obstrués. Par où ? Par comment je reviens chez moi pour apporter ce que j'ai pu apprendre. Je peux revenir, je le fais à petite échelle, je fais des choses. Mais ça n'arrête pas, rien n'arrête. Je parle de Boko Haram, je pourrais parler de la zone anglophone. Je veux dire mon pays, voilà. Et on ne peut pas simplement se dire, oui, la littérature, après tout, je sais ce que je fais. Et je suis immensément consciente aussi de mon impuissance et de mes limites. Bon, je réponds, je pourrais répondre par une seule phrase. Hein. Moi, je me contente d'écrire pour n'être complice de personne. Voilà. Ce qui est déjà énorme. N'être complice de personne. Mais écoutez, on va s'arrêter sur cette phrase-là et on va la garder précieusement en vous remerciant infiniment tous les deux. Bien sûr, je vous invite à lire les deux romans dont on a trop peu parlé parce qu'il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, mais le sujet est vraiment complexe. Merci infiniment de... Je ne sais pas, est-ce qu'on a le temps de prendre des questions ? Est-ce qu'on peut déborder ? Je sais qu'on avait des consignes pour être très précis sur les horaires, mais si on peut déborder, si on est autorisé, bien sûr, on prendrait des questions volontiers. Il faut que quelqu'un de la salle me fasse signe pour me dire si oui ou non on peut. Attendez une seconde, j'attends d'abord de savoir si on peut déborder de l'horaire ou pas. Donc, si on peut déborder, je prends des questions très volontiers. Parce qu'on nous avait demandé d'être très précis, de pas... Voilà, donc j'attends un petit signe. Non, on ne peut pas. Bon, voilà. C'est ce que je craignais, je suis désolée. Mais on va poursuivre la conversation de manière informelle autour des livres. Voilà. Merci de votre présence. Merci.